Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer mes rangements salle de bain, là où je range tous mes soins. Donc en fait, pour vous resituer un peu, on est arrivé ici il y a à peu près un an. Ouais, c'est ça, il y a plus d'un an maintenant. Et on a voulu parer au moins cher en fait et au plus pratique. Donc vous allez voir, il n'y a absolument rien d'exceptionnel. Je me suis dit, comme vous voyez tout le temps ma coiffeuse en arrière-plan, je me suis dit pourquoi pas changer. À la base, je voulais faire cette vidéo pour ma 100e vidéo pour Dear Histoire 2. Au final, j'ai pas pu, donc ce sera la 101e. Mais voilà, donc je vais essayer de commencer tout de suite. Déjà derrière moi, vous voyez que notre portant de salle de bain, moi je le mets à l'extérieur parce que je trouve ça beaucoup plus hygiénique et puis. Voilà, moi je déteste que les produits traînent par terre. Et donc je me suis dit, allez, pourquoi pas mettre le portant ici? Donc là, c'est mon côté. Donc c'est mon gel douche et mon gel intime. Et là, c'est le côté de mon copain. Voilà, donc c'est ce que j'utilise en ce moment. Et là, je vais vous montrer toute la partie gauche de la salle de bain où je range absolument tous mes produits. Donc sachez, enfin j'espère que vous n'aurez pas une attaque, hein, mais non. Sachez qu'il y a tous mes produits, y compris mon stock. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits, mais en fait il y a beaucoup de produits. Enfin, finalement vous allez comprendre que, il n'y a pas grand-chose et qu'au final il y a également mon stock qui se réduit à ça en ce moment parce que j'attends les promos beauté. Je les attends à fond pour pouvoir refaire mon stock. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voici mon rangement. Donc en fait c'est une étagère tout simplement parce que c'est pareil au moins cher. Donc ouais, j'ai réquisitionné toute la partie gauche. Et en fait en dessous il y a on ne peut pas mettre de meubles. Il y a la machine à laver. Donc on a vraiment paré au plus pratique. Et là où on se dit qu'il n'y a pas de place, mais en fait quand tu mets une étagère, ça peut te faire tout ça. Donc à la base j'avais dit à mon père ben si on pouvait mettre carrément, enfin si on pouvait utiliser toute la place. Donc je vais commencer par le fond. Alors sur ce bout d'étagère, donc vous avez mes produits coiffants. Là c'est voilà donc les petites pinces, les petites barrettes, mon produit à lentilles. En fait c'est des produits que j'utilise pas trop souvent ici, mes lingettes, que je garde tout le temps. Donc vous voyez, enfin comment vous expliquer? Tout mon stock est ici, mais j'ai pas forcément de stock de lingettes, de shampoing, de comme on voit souvent dans les vidéos, j'ai pas de tiroir de stock dans ma chambre. Tous les produits sont ici. Donc ça veut dire que si vous voyez que ça, j'ai que ça en fait, hein. C'est pas compliqué en fait. Donc c'est simple, tout mon stock est ici. Donc ça, c'est pas du stock, c'est mes produits pour m'épiler. Et en fait, mon stock, ça va. C'est tout ce qu'il y a là. Donc là, c'est simple, c'est les gels douche. Donc là, vous voyez, en ce moment, j'en ai 5. Et ici, ce sont deux produits pour le visage, ici. Un nettoyant et une crème. Et là, j'ai en stock un déo. Voilà, donc j'ai pas grand-chose en stock, mais je compte faire les promos beauté Leclerc. Il y a un assainissant ici. J'aime beaucoup assainir des fois les pièces. Et je vais vous montrer la plus grande partie de l'étagère. Donc pour le reste de l'étagère, ça concerne enfin voilà, tous ces produits. Alors je sais que c'est pas super super bien rangé, mais bon, moi c'est voilà, tous ces petits pots comme ça, enfin, tous ces petits paniers, ils m'ont été donnés. Donc voilà, et ce pot-là, d'ailleurs je vous ai pas dit, bon vous l'avez reconnu, c'est le Ikea. Celui-ci, je l'ai pris à la base, il était sur ma coiffeuse, donc dorénavant vous ne le verrez plus en arrière-plan. Donc j'ai trouvé qu'il était plus utile ici. Donc là, assez simple, c'est tous mes produits pour le corps. Donc tous les beurres corporels. Donc celui que j'utilise en ce moment. Et en dessous, mon stock. Voilà. Des trucs pour s'épiler, des patchs pour les boutons et une crème intime, voilà. Donc voilà, c'est les produits pour le corps et les produits un peu tout seul comme ça pour hydrater quoi. Ensuite, ici, c'est une pochette où je mets mes cubes effervescents pour le bain. Là, c'est des lingettes décolorantes. Ici, ce sont tous mes produits cheveux. Donc pareil, comme vous avez pu le voir, du coup, j'ai aucun produit de stock pour les cheveux. Donc voilà, j'attends les promos avec impatience. Mais moi, c'est vrai que comme vous voyez, j'utilise des produits de supermarché. Donc si j'ai besoin de quelque chose, moi je fais mes courses toutes les semaines. Donc j'estime que j'ai pas besoin de faire de stock en fait, hein.
Donc mon démêlant, ma crème de soin, mon après-shampoing et mon shampoing. Voilà, vous avez toute ma routine ici. Ici, c'est mes outils personnels. Hein. Et dans le dernier, ça va être tous mes produits visage. Donc absolument tout. Donc là, vous voyez qu'il y a le deuxième produit, mais voilà, celui-ci est quasiment terminé. Mais voilà, tous mes nettoyants visage, un éventail encore. Voilà, huile démaquillante, lotion, crème pour le visage, déo. Voilà, j'ai tous mes grands produits, on va dire ça comme ça. Et les produits un peu particuliers, ils sont à côté. Parce que vous voyez, si je les mets dedans, je ne les vois pas. Donc je fais en sorte de voir absolument tous mes produits pour pas qu'il y ait de gâchis et pour que j'utilise absolument tout ce qu'il y a. Donc voilà, là c'est tout le reste. Donc pour tous les autres produits, ici, je vais vous montrer vite fait. J'ai des patchs ici. Je sais pas si on va bien les voir. Voilà, ici j'ai des patchs pour les boutons que je laisse là. Faut absolument que j'en achète, il m'en reste presque plus. Un parfum que j'utilise assez régulièrement, que ma maman m'avait donné, c'est le Vanderbilt. Un petit démaquillant que j'utilise de temps en temps. Enfin, mon contour des yeux, quoi, qui est une huile d'avocat. Ma crème pour le soir, en fait, vous voyez comme c'est des petits packagings, je les laisse dehors parce que sinon, je les vois pas dans la panière. Et puis, de toute façon, voilà, je peux pas tout mettre. Un rangement à coton, voilà, pour mettre la brosse à dents et tout. Ici, donc ce produit-là, celui-ci et celui-ci, vous aurez reconnu qu'en gros, c'est tout l'attirail pour faire le derma roller, en fait. Donc, vous voyez, c'est ce produit-là, c'est un outil avec des petites aiguilles. Ensuite, vous mettez le sérum et ça, c'est un petit spray avec de l'alcool dedans pour désinfecter. Là, j'ai juste deux échantillons. Un masque que j'aime moyen. Enfin, je l'aime bien, mais je le rachèterai pas en fait. Mon baume que je mets après m'être lavé les dents à chaque fois. Et devant, j'ai des petits outils, voilà, pour le visage, pour l'épilation. Donc, j'y laisse là de côté. Et voilà, vous aurez vu tout, 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 tout. Absolument tous mes produits. Alors pour rien vous cacher, je crois que je dois avoir 2-3 produits format voyage dans ma commode, mais voilà, c'est tout. Vous avez absolument tous mes produits ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais mille bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!